Ivoiriens et Ivoiriennes, chers amis de la Côte d'Ivoire, les Ivoiriens vivant en France, tu te sens concerné par la situation politique actuelle en Côte d'Ivoire? L'heure de la victoire est proche. Le pays a besoin de nous. Nous avons besoin de toi, de moi, de tous. Ce samedi 24 octobre, la coalition des femmes patriotes ivoiriennes de la diaspora organise la grande marche des femmes le samedi 24 octobre 2020 au métro Sainte-Trinité, la ligne 12, la place Étienne d'Or, dans le 9e arrondissement. À 13h, nous irons en direction du palais de l'Élysée. Ensemble, nous disons non à ce troisième mandat. Donc venez avec nous soutenir cette marche afin qu'ensemble nous exprimions à l'opinion nationale et internationale notre refus au troisième mandat d'Alassane Ouattara. Venez dire non à la tuerie d'Alassane Dramane Ouattara. Pour dire non à la violation de la loi fondamentale de la Côte d'Ivoire. Pour dire non, non à ce qui se passe dans nos pays. Dire non à la dictature d'Alassane Dramane Ouattara et dire qu'il n'y aura pas d'élection en Côte d'Ivoire le 31 octobre. Pour la libération totale de votre chère Côte d'Ivoire. Pour dénoncer cette forfaiture. Dénoncer aussi l'incompétence de la CEI à organiser une élection transparente et sécurisée et le non-respect de notre constitution. Pour cette occasion, nous serons tous vêtus de blanc. C'est la marche de la libération. La marche de la victoire. Ne te fais pas raconter l'événement. Viens ce samedi. Venez tous prendre part à la grande manifestation de 13h à 18h. Le samedi 24 octobre à 13h. Pour avec nous dénoncer ce troisième mandat qu'Alassane Dramane Ouattara veut imposer à la Côte d'Ivoire. Nous vous invitons massivement à venir nous rejoindre. C'est ensemble que nous y arrivons. Que l'unité revienne dans notre si beau pays, la Côte d'Ivoire. Pour que nous finissions ensemble ce que nous avons commencé. Nous voulons libérer nos frères. La Côte d'Ivoire souffre, les Ivoiriens souffrent. Le pays, l'heure n'est plus aux critiques. Dabou est gâté, il y a eu beaucoup de morts à Dabou. Il a arrêté beaucoup de jeunes à Dabou. Bonoua, chez Afin Guessa, à Gagnoua, c'est la mort, c'est le sang qui coule seulement. Venez samedi, nous allons parler aux Français et dire non, non que ça s'arrête. On ne veut plus d'Alassane, ni son troisième mandat. À samedi 24, dès 13h, sur la place. Lève-toi et viens. Alors, nous vous attendons. Tu es attendu. J'y serai. Et toi? Merci. Attends, David, à la mienne. Attends, à vous, Sanier.